Bonjour et bienvenue à tous, bonjour et bienvenue sur la Gata TV. J'espère que vous allez bien les droïdes, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de Chasseur de Trolls Protection Arcadia. Donc j'ai fait l'attaque de Gunnar, ensuite j'ai été sur Akiridion, ça c'est les épisodes 6 et 5, et là on attaque tout de suite l'épisode 7. Donc je viens de rencontrer Merlin. Waouh, c'est trop bizarre. Jimmy, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Morgan a brisé le miroir du temps. Nous sommes en pleine Tempocalypse. Oh, super Merlino. C'est quoi? Pour faire simple, c'est le chaos, un royaume dénué de logique ou de structure. Ok, je crois que je vais paniquer. Je peux paniquer? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le seul moyen de tout arranger, c'est de trouver Morgane. Tu dois lui reprendre la carte du temps. Sois très prudent, chasseur de trolls. Retourne au marché des trolls. Je t'y attendrai. D'accord, j'y serai. Appuyez sur B plus B. D'accord. Donc on a enfin un bouclier, donc là je l'active avec les joysticks. Ok, hop, je peux pas attaquer en même temps. Je vais terminer ce niveau là, on va voir ce que ça donne. B plus B pour ralentir. D'accord. Je comprends mieux, mais par contre je sais pas où il faut aller là. D'accord. Je suis au max là? Non. Voilà. Je peux plus. Respirer, c'est dingue. Complètement dingue. Prends une grande inspiration, Toby. Ça va aller. Ok. Compliqué quand même hein, le coup du chapeau là. D'accord. Aïe, ok. D'accord, j'ai compris. J'utilisais mal le truc. Une chaussette par là. Il va falloir combiner deux.
J'ai perdu tous mes cœurs. Google, tant pis. La musique derrière est très très entraînante, ma foi. Oh, merde. Et merde. J'avais une chance sur deux. Non, c'est pas vrai. Comment perdre des vies inutilement? Oula. On entend le nain derrière. Un quart de cœur pour terminer le... compliqué quand même. J'ai du mal à trouver avec l'histoire du B. Allez, on y va. J'ai toujours un quart de cœur.
Ah oui, d'accord, bon. Pensé par moi-même, petit bug du jeu. J'aime pas du tout cet endroit. Tenez bon, les amis. Oh, j'en prends plein la gueule. Mais celle-là. Non mais alors là, on aura tout vu. J'ai même pas perdu là. Ouais, direct. Oh, c'est close. Thank you.
peut pas faire, non. Obéis-moi. Ah, c'est close. Super. On a un petit bug sonore du jeu là. Allez, on y va. Donc je vous explique, j'ai eu un gros bug du jeu. Un truc énorme, c'est-à-dire que là vous avez entendu, il y avait les pièces qui défilaient et du coup ça m'a fait une erreur survenue et le jeu a complètement crashé. Ah oui, là c'est con. Obéis-moi. Fantastique. Je peux plus les ramasser. J'ai vu le passé. C'était moi quand j'étais petit. Regardez attentivement et vous apercevrez le passé et le futur. Oh mince, c'est moi en vieux. Je suis hyper grassouillé. Il faut que j'arrête les Snacky Nougat. Oh, j'en mets. Ouais, ça m'intéresse pas parce que du coup il y avait un truc qui m'intéressait là-bas. Non, je vais pas pouvoir. Mmh.
ça devient vraiment chaud. Bon voilà, en espérant que ça crache pas encore une fois. Allons-y. Notre monde s'est transformé en machine à remonter le temps. Je vois Jimmy, Duxie et Steve dans le passé. Et on est quoi, des enfants? Non, c'est nous, mais dans un château, dans un passé lointain. C'est ouf! Pourquoi on traînerait avec Steve? Clamtastique! Ça c'est direct hein. Ça te tue mais en moins de deux.
attends. Ah oui, d'accord, bon. C'est pas comme si j'avais plein de vie. Continue, continue. C'est chaud là. C'est très très chaud. Pas drôle ça par contre. C'était à Paris. Ma synchro était pas bonne là. Merde. Et voilà. Je sais pas si on va y arriver.
Et voilà. Bon, pas le plus simple. Te voilà enfin. Tu as pris ton temps. J'ai pas toute la journée, moi. Merlin. Je plaisante. Un brin d'humour temporel. J'ai conscience que ça n'a pas été facile pour toi. Cette apocalypse est terrifiante. C'est excellent pour la peau. Cela dit, je me sens rajeuni. Comment on va faire pour arrêter Morgane? Eh bien, nous allons d'abord la retrouver, puis tu l'affronteras. Tu dois récupérer ma carte du temps. Compris. Je suis prêt. Pas tout à fait. Adresse-toi à Iserdux. Enfin, Duxi. C'était mon apprenti. Je pense qu'il pourra t'aider. Ensuite, lorsque tu seras prêt, dirige-toi vers la faille aux abords du marché des trolls. J'ai rassemblé suffisamment de magie pour l'ouvrir. Où mène cette faille? Tout droit au château de Morgane, bien sûr. Morgane a un château? Comme tous les grands méchants. Vas-y, dès que tu es prêt. Mais fais bien attention, car elle t'attend. C'est pas comme ça que j'imaginais passer mon anniversaire. Salut. Content de te voir. D'accord. À la prochaine. Je peux t'aider? Ça va, Jimmy? T'es un peu palo. Merlin m'a dit que tu pouvais m'aider. C'est vrai que t'étais son apprenti? Oui, et je peux t'aider. Morgane est une redoutable sorcière. Mais ne t'inquiète pas, je connais des sorts de soins. Appelle-moi quand t'es mal en point et je te remettrai sur pied. Impeccable. D'accord, suis-moi. Ciao. Alors là, on peut pas mieux faire. On a quelque chose pour se restaurer. Ça, c'est impeccable. Aux heures les plus sombres, je brille de mille feux. Donc, je vais vous laisser là pour l'épisode 7 de Chasseur de Trolls, Protecteur d'Arcadia. Et on se retrouve une prochaine fois pour l'épisode 8. Voilà, salut, c'est tout pour la Gata TV. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.